Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les recettes de Camélia. Aujourd'hui, nous allons préparer une nouvelle recette. C'est du poulet grillé au feu de bois. Une recette très simple à préparer avec une marinade délicieuse. J'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Il va nous falloir des morceaux de poulet que l'on a incisé comme ceci. Donc par exemple là j'ai la cuisse, je l'ai incisé pour que en fait la marinade pénètre bien dans la viande. Là c'est le morceau de blanc de poulet, et en fait ces incisions nous permettent de cuire la viande plus rapidement. On aura besoin d'une cuillère d'harissa, de cuillères à soupe de sauce soja épaisse, de cuillères à soupe de persil et coriandre haché finement, le jus d'un demi citron, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de ketchup, 5 à 6 gousses d'ail que l'on a râpées. On aura besoin d'huile d'olive et d'herbes de Provence, et je vous dirai pour les épices. Donc je vais mettre sur mon poulet en fait le persil et la coriandre, la cuillère d'harissa et 2 cuillères de sauce soja. Je rajoute mon ail que j'ai râpé, la cuillère de moutarde, la cuillère de ketchup, le jus du demi-citron, une cuillère bien bombée d'herbes de Provence. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser que du thym ou de l'origan. Je vais rajouter une demi-cuillère de sel. Je ne sale pas trop parce que déjà il y a la sauce soja. Je mets une cuillère de poivre, une cuillère de paprika, une cuillère de gingembre, une cuillère de cumin. Je rajoute de l'huile d'olive et je mélange le tout. Voilà, ma marinade est prête. Je vais laisser mon poulet reposer au moins une demi-heure, voire 45 minutes, le temps que la marinade, que le poulet en fait absorbe bien la marinade. Voilà, je vais griller en fait mon poulet sur le feu de bois, mais vous pouvez éventuellement le mettre sur une grille électrique. Et mon poulet est prêt, vous pouvez l'accompagner éventuellement de frites. Il est délicieux, super bon. J'espère que vous essayerez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements. Et cliquez sur la clochette pour avoir les nouveautés. À très bientôt.